Je te souhaite un vraiment joyeux visionnage. Bon visionnage. T'es un 99 et tu bootes parce que Parcoursup ils t'ont recalé. Mais attends, t'as redoublé combien de fois toi? Eh, c'est pas ça le sujet. Dites-vous, j'ai fait 10 vœux. Comment ça se fait, il y en a 26, ils ont été refusés. Mais mis à part ça, tu sais, moi j'ai de la stup, hein. J'ai des litrons à faire partir. Oh, ta gueule. Salut chef, c'est un salon de coiffure ici? Bah c'est marqué. Ah ok. Bon, sinon je te fais quoi comme coupe? Bon, je vais tout t'expliquer. Oh, tu vois cette antenne là, là? J'aimerais bien que tu me teins ça en rouge, parce que j'aime bien la couleur des règles. T'as vu? Ouais, ok. Attends deux secondes. Contre le mur! Mais j'ai fait quoi de mal? Je suis juste venu me coiffer, c'est tout! Un extraterrestre vient d'être capturé, je répète, un extraterrestre vient d'être capturé. Mais je suis pas un extraterrestre! Bonjour jeune homme, bonne nuit! Louis XVI, il est né en 2002, il aimait bien traîner à la chicha de Bondy. Oh là là! Qu'est-ce que vous me racontez, jeune homme? Mais là, t'as rien appris, Anaïs! Tu veux faire quoi plus tard? Vendre des tiramisu sur Snap? Donnez-moi les dates de la première et la seconde guerre mondiale. Bon, déjà, de 1, monsieur, ça on l'a pas appris en cours. Et de 2, j'étais pas né. Bon, Dimitri, on va être honnête. T'as pas appris ton cours? En fait, c'est parce que ma cousine, elle est décédée. Oh. Et du coup. Non, mais c'est vrai. Je dis ça, je dis rien, mais tout à l'heure, Yanis, il a regardé les fesses de Kenza. Oh, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Yanis, tu regardes mes fesses? Mais n'importe quoi, en plus. T'as même pas de fesses, toi. Oh lolo! Mais je suis choqué. Bah, ça veut dire t'as vu. Bah, il a vu. Bah, il a vu. Il va commencer ses fesses par magie. De toute façon, c'est un vieux mec, il galère. Oh. Mais pourquoi tu parles de sa mère? Quoi? Sa mère? La maman. Mais tu vois la maman. Oh, il y a le prof. Carnet. Mais monsieur, moi, j'ai rien fait. Tu fermes ta gueule. Ah, je crois que ça a toqué. Tiens, y'a personne. Bon bah, tant pis. Reprenons le cours. Oh là là, mais c'est qui ça? Mais c'est pas possible ça. Ok. Attends, imagine le prof, il est juste derrière et il veut me tendre un piège. Je le fais ou je le fais pas? Bonjour monsieur. Encore un peu et tu serais arrivé en retard. Hein. D'ailleurs, tu peux enlever ton masque? Oui, mais j'ai envie de le garder. Non, c'est fini, il n'y a plus de masque. Il fait chier ce prof, si j'ai envie de garder mon masque, je le garde. J'aurais dû mettre du caca dans son sac à lui, là. En plus, Bejline, elle me regarde, ça se trouve, elle va dire je suis moche. Vas-y, j'enlève. Oh, la gueule! Oh, il a tellement un gros nez. Bejline, tu le trouves beau? Pas du tout. Et toi, rigole pas, ta mère, elle est moche. J'avoue, c'est vrai. Bah, du coup, nous, on a fait un exposé sur les tortues. Ouais. Déjà, les tortues, elles sont à quatre pattes. Un peu comme certaines filles. Non, mais c'est une blague, les garçons. Vous êtes pas sérieux, là? Bon, Vous foutez de la gueule de qui, là? Bon, là, on va être sérieux. Non. Vous retournez à votre place et vous avez zéro. Que crie cette prof, là? Mustapha, tu passes au tableau. Bon, bah, moi, j'ai fait un exposé sur la religion. Oh, oh, ici, c'est pas le lieu. Non, mais si vous voulez rester dans le péché, restez dans le péché, hein. Ah, j'avoue, moi, j'aimais trop les meufs, hein. Ah, j'étais un charo. Une fois, je suis sorti avec une meuf, elle s'appelait Bejline. Elle m'a trompé 4 fois. Ah ouais. Depuis ce jour-là, vas-y, j'ai arrêté avec les filles, hein. C'est bon. Maintenant, c'est la rue. T'as vu, moi, maintenant, j'ai un cœur de pierre parce que c'est que la cité. Filme la cité un petit peu. Moi, maintenant, je suis un briseur de cœur, hein. Ah, je suis désolé, les filles. Je suis un gros briseur de cœur. Mais au passage, si vous voulez que je vous brise votre cœur aussi, ajoutez-moi. Et c'est quoi ton snap? Choupi le BG. Bon, les mecs, je passe le téléphone au mec qui s'est déjà branlé 13 fois en une journée. Je passe le téléphone à celui qui danse comme un malabar. Je sais pas ce qui a été dit sur moi, mais en tout cas, c'est chaud. Là, je vais passer le téléphone à la personne qui parle à tellement de filles. Jusqu'à il est débordé, quoi. Je passe le téléphone à la plus charo du groupe. Elle aime trop les garçons, la tête d'or. Je passe une telle au mec. Il envoie des nudes aux darons, wesh. Aux darons.
passe le téléphone à la meuf qui kiffe encore son ex. Je sais pas ce qui a été dit sur moi, mais j'imagine bien que c'est faux. En tout cas, moi, je passe le téléphone à la personne la plus feignante du groupe. Je vais passer le téléphone à celui qui ressemble à un menu de chez Chicken Spot, ou non? Je sais pas ce qui a été dit sur moi, mais en tout cas, moi, je passe le téléphone à la personne la plus sadique du groupe. Je passe le téléphone au mec qui capte des meufs dans des parcs. Eh, ce qu'il a dit, c'est faux. Je sais pas ce qu'il a dit, mais c'est faux. La tête d'homme, c'est faux. N'écoutez pas. Gros, on fait un petit FIFA. De toute façon, c'est lui de ramener ta manette, non? Tu l'as? Oh, toi aussi. Bien sûr, je l'ai ramené. C'est pas possible. Non, il a pas fait ça quand même. Il est trop con. Non, c'est pas possible. Mais j'ai fait quoi? Sors de chez moi. Oh, mais tu m'as dit de ramener une manette de play. Va tes problèmes. En vrai, y a plus de filles ou plus de garçons qui me suivent sur TikTok? Ah ouais. Tranquille. Mais en vrai, ça fait plaisir. Les filles ajoutées, je suis BG.